Bonjour à vous. En amour, les bénéfices à rester seul. Vous le savez, il y a des personnes qui désirent aller vers l'amour, mais qui sont au conflit intérieur. Elles sont ambivalentes entre une partie qui désire et une autre partie qui ne veut pas évoluer. Et bien sûr, cette partie qui ne veut pas évoluer, elle va trouver tous les bénéfices qu'il y a à ne rien faire, ces fameux bénéfices plus ou moins cachés. Si tu restes seul, eh bien tu seras libre. Tu pourras faire ce que tu veux quand tu veux. Tu ne prendras pas le risque de souffrir. Tu pourras rester chez toi. Personne ne viendra t'envahir. Tu ne prendras pas le risque d'être quitté. La liste pourrait être assez longue de ces bénéfices qui font que nous restons seuls. Et que, fin de compte, nous nous empêchons, nous nous auto-sabotons pour aller vers la vie que nous voudrions. Mais ces bénéfices vont-ils durer dans le temps? Un bénéfice, comme on dit à la banque, c'est quelque chose qui progresse, un bénéfice. On s'engage dessus, on le fait augmenter. Quand on est dans un couple authentique, et je le vois, je le perçois, l'amour, c'est de l'engagement, c'est quelque chose qui fructifie, qui grandit. On comprend pourquoi on fait ça. On a peut-être une famille recomposée, et puis après, eh bien, on a les enfants de différents mariages qui sont ensemble, on a des projets ensemble. Il y a vraiment ce bénéfice, cette augmentation. Il y a une sensation de progression, d'augmentation. Mais tous ces bénéfices de ne pas souffrir, qui sont souvent connectés à la peur, de ne pas souffrir, de rester seul, de ne pas être manipulé, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Est-ce que ces bénéfices seront toujours là au bout de 3 ans, au bout de 10 ans? Est-ce que quelque part, cette sensation que l'on a dans l'instant, à se dire, ben, j'ai pas souffert, j'ai pu faire ce que je voulais quand je voulais, je n'ai pas été envahi, est-ce que tout cela vraiment, ça va être un bénéfice qui va augmenter ou qui, fait compte, va diminuer et qui, à un moment, va devenir une souffrance. Parce que c'est ça, ces bénéfices cachés, ces bénéfices que l'on croit, que notre mental nous fait croire que ça sera bien, ces bénéfices nous envoient dans une voie sans issue. À un moment, ils vont se retourner et ils vont devenir une souffrance, un enfermement mental. Nous voyons. J'ai en consultation des personnes qui souvent sont restées 10 ans, 15 ans toutes seules, parce qu'elles voyaient leur solitude comme un bénéfice, quelque chose qui allait durer, une joie presque, une libération. Et cet effet n'a duré qu'un moment, quelques années, peut-être quelquefois après un divorce difficile, mais au bout d'un moment, il y a une inversion de tendance. Les bénéfices que je voyais deviennent des contraintes. Je suis seul. Ma vie passe. J'en ai marre de faire des choses toute seule. Je n'ai plus de projet parce que faire des projets seul, c'est pas intéressant. Je veux dire, je ne reçois plus d'affection. La sexualité comme ça avec des gens qui vont, qui viennent, ça ne m'intéresse plus. J'ai envie de construire maintenant. Je ne veux plus rester seul parce que je suis sur la pente descendante. J'ai envie de trouver quelqu'un avec qui je vais pouvoir reconstruire un vrai projet de vie. Et d'amour. Oui, les gens ambivalents, ces bénéfices que l'on peut voir à ne rien faire, à rester seul, à un moment deviennent une souffrance. Il y a une inversion de tendance. Et en général, si on attend trop et qu'on se laisse dans cette inversion de tendance, eh bien, on sera encore dans une énergie du manque et de la peur, et ça sera encore nous faire rester seuls. Parce qu'on ne sera pas dans la bonne énergie. Alors je vous invite, tous les célibataires, veufs, divorcés qui sont ambivalents, à bien réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous-même? Est-ce que vous préférez rester seul indéfiniment et vous pensez que ces bénéfices de la solitude, vous allez vraiment les faire fructifier? Ou au fond de vous-même, est-ce que vous ne désirez pas rencontrer une bonne personne avec qui vous allez construire un bonheur à deux? Voyez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Prenez le temps de vous projeter et faites la part des choses. Soyez authentique avec vous et répondez à ce que vous voulez vraiment.
Et si vous désirez aller plus loin, eh bien prenez rendez-vous avec moi, suivez mon programme individuel En route vers l'amour, disponible de chez vous en 4 séances. C'est un programme qui ne vous obligera à rien du tout, juste à vouloir progresser et à laisser faire les choses. Et peut-être que vous verrez que dans votre tête, une nouvelle porte va s'ouvrir pour aller vers l'amour authentique et vous donner toutes les chances de le vivre. N'écoutez pas forcément cette partie de vous qui vous fait croire que vous avez des bénéfices à rester seul. Faites attention, ces bénéfices, à un moment, vont se retourner contre vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi ou venez marcher sur le chemin de Compostelle. À très bientôt. Merci. Au revoir.